Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je vais essayer de faire un nouveau format et aussi une plus grande régularité dans les vidéos. Alors j'ai eu l'idée de ces séries d'exercices en retrouvant deux livres qui étaient Sport et Yoga de Yezhu Dian et Elisabeth Eich. Je sais pas si on verra. Voilà. Un petit peu vécu. Il y a un tome 2 qui s'appelle Hatha Yoga et exercices pratiques. Et à l'intérieur, on va retrouver des séries en fait, des séries qu'il propose lui en tant qu'exercice pratique du yoga. Donc c'est ces séries-là que je vous propose de découvrir. Donc on va les adapter un petit peu à la méthodologie qu'on emploie habituellement, et puis aussi eh bien, un petit peu à la difficulté, parce que je ne vous cache pas que dès le début, un premier exercice, on a la posture sur la tête enfin. Donc bon, on va essayer de réduire un petit peu la difficulté, puis au fur et à mesure, eh bien, ça va venir tout seul. Voilà. Donc ce monsieur, hein, Selvarajan Yezhu Dian, donc c'est un yogi. Il a été connu aussi, enfin, il a été connu. Donc, sa femme était une pianiste célèbre, qui s'appelait Elisabeth Eich, qui a écrit aussi le livre Initiation. Voilà, donc c'est pour un peu la présentation d'où ça vient. Alors, je vous propose de commencer. Quand je vous dis on va adapter, c'est-à-dire que là, je vais commencer, on va faire une prise de conscience au sol, ce qui n'est pas normalement prévu dans l'exercice. Mais voilà, ça permet quand même d'utiliser la prise de conscience comme vraiment comme sas de décompression entre la vie de tous les jours et la pratique du yoga. Donc en gros, les séances vont se passer comme ça. Prise de conscience, exercice de pranayama au début. Après, on fera un petit échauffement corporel, assez rapide. Parce que le but aussi de ces vidéos, c'est de proposer des formats qui soient rapides, qu'on puisse pratiquer en gros. Voilà, 15, 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas trop, il faudrait peut-être que je mette un timer. Voilà. Et je le fais maintenant en fait. Et donc voilà. Donc le but, ce serait de pouvoir avoir des exercices avec des séances relativement courtes entre guillemets. Et voilà, pas forcément des séances d'une heure et demie. Après, j'en ferai d'autres, hein. Je ferai des séances plus grandes, plus longues. Mais dans un premier temps, voilà, on va revenir, essayer ce nouveau modèle. Voilà. Et puis, surtout de l'essayer sur la longueur, en fait. Allez, on commence. Prise de conscience au sol. Donc, je mets aussi un timer de ce côté-là pour éviter de le déborder, tout simplement. Hop, je m'allonge en prenant toutes les précautions. Je dépose tout mon corps sur le sol, je laisse tomber les pieds de part et d'autre du corps, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond, je desserre les mâchoires, je ferme doucement les yeux. Je prends conscience des différents points de contact entre le corps et le sol, les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, toute la surface du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, le dos des mains, l'arrière de la tête. Je laisse tout mon corps s'appuyer de tout son poids sur le sol. Je laisse mon corps devenir de plus en plus lourd sur le sol, de plus en plus détendu. Je prends conscience de mes orteils, de la voûte plantaire, du dessus du pied, enfin du dessus des pieds. Je prends conscience des talons, des muscles des mollets, des muscles des cuisses, des muscles des fessiers. Je prends conscience de mes deux jambes au sol. Je prends conscience de mon bassin, de ma colonne vertébrale. Vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, vertèbre cervicale, arrière de la tête. Je prends conscience de tout mon dos,
allongé sur le sol. Je relâche la sangle abdominale. Je relâche les muscles de la cage thoracique. J'abandonne mon tronc sur le sol. J'essaie de relâcher profondément les muscles des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, jusqu'au bout des doigts. Je relâche profondément mes deux bras au sol. Je relâche les muscles du cou, de la nuque. Je relâche l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes, les oreilles, les joues, le menton. Je relâche tout l'aval du visage. Je détends tous les petits muscles autour des yeux. Je relâche la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Je relâche tous les muscles du visage. J'abandonne ma tête sur le sol. J'abandonne tout mon corps sur le sol. Et je prends le temps. Je prends le temps de respirer. Je prends le temps d'observer toute ma respiration. À l'inspire, à l'expire. Voilà, je prends le temps de m'étirer et je me relève. Je vais prendre une posture confortable, stable. Je suis assis sur les ischions. Je pose les mains sur les genoux pour bien relâcher mes épaules. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je ramène légèrement le menton vers le sternum, et on va faire 7 respirations yogiques complètes. Je commence toujours par expirer, j'expire profondément. Inspire. Je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je relâche, je laisse mon ventre se rentrer, mes côtes se resserrer, mes clavicules redescendre. Inspire. Et je reviens. On va faire maintenant un autre exercice respiratoire qui s'appelle Murcha. Dans cet exercice-là, on travaille la rétention du souffle. Donc, on expire, on inspire et on vient suspendre le souffle. On ne bloque pas la respiration, on laisse vraiment cette partie-là détendue. Donc il peut y avoir des petits échanges d'air, hein, de l'expire, de l'air qui rentre un petit peu. Et on essaie de rester dans la fourchette de 7 à 30 secondes.
Ce qui est important lorsqu'on sort d'une rétention de souffle, poumon plein, c'est de réinspirer un petit peu d'air avant d'expirer. Une deuxième fois, j'expire profondément, j'inspire. Je vais maintenant faire des petites frappes sur le corps avec le bout des doigts. J'inspire, je fais des petites frappes avec le bout des doigts sur le thorax. Suspension de souffle, je frappe avec les paumes et j'expire. Inspire. Et suspension de souffle. Expire. Une deuxième fois. Troisième et dernière fois. Allez, dernier exercice. Hop. On va s'allonger. On va venir placer les mains sur le ventre. Et on va les placer de manière à ce qu'aucun doigt ne se touche. J'expire. À l'inspire, je vais imaginer inspirer de la lumière. Et j'expire lentement et j'imagine que cette lumière passe par mes bras, passe par mes doigts et vient se déposer sur le ventre. Fais trois fois. Très bien. Je prends le temps un peu de sentir les effets des exercices. Je vais venir me mettre debout. On va faire un rapide échauffement. Donc là, comme la prise de conscience, c'est un ajout qui n'existe pas, en fait, dans les exercices tels que prévus. Mais vous allez voir que c'est peut-être un petit peu nécessaire quand même. Donc on va faire
quelque chose d'assez rapide. Exercice qu'on connaît, on va monter sur la plante des pieds. Une fois, deux fois, trois fois. On plie les genoux. On va venir remuer. Venir faire des cercles avec les genoux. Hop, dans un sens, dans l'autre. Hop. On va passer maintenant au bassin. Je plie légèrement les genoux, je bascule mon bassin vers l'avant, vers l'arrière. Mes genoux restent toujours pliés. En aucun cas, je tends les jambes. Le mouvement vient du bassin et pas du fait de remonter les jambes, du fait de tendre les jambes. Tout le mouvement vient de mon bassin. Je contracte ma musculature, la musculature de ma sangle abdominale pour tirer mon bassin vers l'arrière. Je relâche et je me sers de la musculature de mon dos pour tirer mon bassin vers l'arrière et j'alterne. Je reviens. Maintenant, je vais aller à droite, à gauche. Donc là, j'essaie de faire travailler l'articulation de ma hanche dans une autre direction. Hop. Et maintenant, je mélange les deux, je plie légèrement les genoux et je viens faire des mouvements en avant, à droite, en arrière, à gauche, dans l'autre sens. Hop, je reviens. Touk, 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 je rapproche mes deux pieds. Je repousse le sol avec mes pieds. J'imagine que l'on me tire. J'imagine un fil invisible au sommet de ma tête qui m'attache au plafond. Et je vais faire quelques torsions. Donc j'essaie d'aller regarder le plus loin possible derrière mon épaule. À gauche, à droite. Je laisse le mouvement s'arrêter de lui-même. Je plie légèrement les genoux. Je relâche bien mes épaules. Je relâche. Je vais amener le menton sur le sternum. J'enroule ma tête. Hop. Dès que les mains touchent le sol, je remonte. Et je déroule. Je recommence. Trois fois, c'est bien. Maintenant, je vais mobiliser l'articulation de mes épaules. J'emmène mes épaules en arrière, je monte mes épaules et je redescends. J'essaie de bien séparer mes deux omoplates l'une de l'autre. Je me mets à l'écoute de ce qui se passe dans mes articulations. À l'écoute sensorielle, bien sûr, je me mets à l'écoute des sensations des muscles, mais aussi des articulations. Puis ben, j'écoute aussi avec mes oreilles, savoir si mes articulations font du bruit, s'il y a des petits craquements, s'il y a des bruits de sable. C'est comme un bruit de biscotte. Là, je fais le mouvement inverse, je rapproche mes deux omoplates l'une de l'autre. Hop là. Je relâche bien mes épaules. Je laisse pendre mes bras, mes épaules sont détendues. Inspire, je relève les épaules aux oreilles. Et je tiens. Et je relâche. Je vais maintenant mobiliser mon cou. Donc si vous avez les cervicales fragiles, vous pouvez laisser tomber cet exercice. On va venir faire rouler la tête. Donc je descends mon menton sur le sternum et je fais rouler.
Une fois que mon menton repasse dans le sternum, je change de sens. Pareil, je me mets à l'écoute des cervicales, à l'écoute des muscles du cou, de la nuque. Et je m'arrête. Ok, très bien. Alors, on va venir s'allonger. Hop là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe et le buste à la rencontre l'un de l'autre. À droite. À gauche. Une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Allez, une quatrième fois. Et j'attrape. Je relâche. Et je relâche. Je prends le temps de sentir l'exercice dans ma sangle abdominale, dans mes cuisses. Et je vais venir me mettre sur le ventre. Hop, on va faire le cobra. Je pose mes deux mains au sol. Je mets les mains sous les épaules. Inspire, je lève le front. Je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps sans prendre appui dans les mains. Une deuxième fois. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Et je soulève le haut du corps. Et je redescends. Troisième et dernière fois. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Je soulève le haut du corps et je prends le relais avec les bras. Mon bassin reste collé au sol. Les bras sont légèrement arrondis, les fessiers sont détendus. Et je redescends. Je vais maintenant venir me mettre sur le dos. On va faire la posture du poisson. Donc normalement, tel qu'il est prévu dans les exercices, c'est le poisson en lotus. On va déjà revoir le poisson ensemble. Donc plusieurs façons de prendre le poisson. Soit on se met sur le coude droit, on renverse la tête, puis sur le coude gauche, et on descend la tête au sol, on bombe le thorax vers le plafond. Soit on pose les deux coudes au sol et on descend la tête. Hop. Donc, on va se mettre en lotus. Hop. Voilà. Et je descends. Je sors de la posture et je redescends.
Je vais venir maintenant me mettre en posture quadrupédique. Et je vais faire le chat et la vache. Je prends appui sur mes mains, sur mes genoux, sur mes orteils. Je repousse le sol. Expire, je fais le gros dos du chat. Inspire. Je bascule mon bassin en arrière, le dos se creuse, la tête monte. Je bascule mon bassin en avant, je fais le gros dos, je rentre la tête dans les épaules. Alors, pour la suite, je vais avoir besoin de ma sangle. Après, si vous avez... Oula, vous n'avez pas pu voir, mais j'ai failli taper le lustre. Donc, je place ma sangle sous mon pied. Après, si j'ai... Ça le fait, je peux le faire à la main. Hop, et je lève. Hop, et je change de côté. Jambe gauche, je repousse le sol avec mon pied droit et je lève. Bon, si vous manquez d'assurance pour le faire debout, faites-le allongé, hein. Vous vous allongez, vous passez la sangle et vous levez la jambe. C'est un exercice qu'on fait, couramment en cours. Hop. Allez, petit exercice d'automassage. J'inspire. J'expire, je vais rentrer mon ventre, si c'est possible, et je vais masser, voilà, je pars de la droite sur la gauche, je fais 7 tours, je relâche, et je recommence. J'inspire, j'expire, et avec mes mains de la droite vers la gauche. Hop. Troisième et dernière fois, j'inspire, j'expire, massage. Alors, il nous reste deux postures. Il nous reste la posture de la charrue
et le dauphin. Ouais, j'ai remplacé la posture sur la tête par le dauphin. Je me suis dit que pour une première série d'exercices, c'était quand même plus simple. Et puis voilà. Donc, charrue. Je vais ajuster mon vêtement. Hop. Donc, charrue. Alors, je ne vous cache pas une certaine anxiété. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas pratiqué la charrue. Donc, j'espère que le résultat ne va pas être trop naze. Hop. Je vais poser les lunettes. Je sens déjà que le t-shirt est rétif. Je vais essayer de me mettre dans l'angle. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Chez vous, faites un meilleur retour que moi. Je suis revenu un peu vite, moi. Posture du dauphin. Je viens placer mes deux avant-bras au sol. Je repousse le sol avec mes poings, avec mes avant-bras. Je lève le coccyx vers le plafond, je ramène les pieds. Hop, je mets les deux poings l'un sur l'autre. Et je reviens. Voilà. On va venir s'asseoir. Pas besoin de lunettes pour la méditation. Donc je vous propose, c'est de faire 3 minutes de méditation. Donc on s'assoit confortablement. Et pendant les 3 prochaines minutes, on va juste se focaliser sur le souffle, sur l'inspire, sur l'expire. On ne rentre pas dans le jeu de l'ego, du mental. On n'essaie pas de se faire de drama, on ne se fait pas de film. On reste juste concentré sur la respiration. Hop, hop.
Voilà. Bien, je vous propose de clore cette première vidéo, tout simplement, avec une relaxation. Donc la relaxation est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, dans le sens c'est une relaxation silencieuse. Donc je ne vais pas guider la relaxation. Vous n'allez pas m'entendre radoter pendant 3 minutes. Donc voilà. Donc on s'allonge confortablement, coussin, plaid. Et puis pendant 3 minutes, on laisse le corps se relâcher sur le sol. On essaie d'éviter tout mouvement corporel volontaire. Il est possible qu'il y ait des moments où on ait le pied qui se mette à trembler, la main, une paupière qui fasse ça. On laisse, c'est pas grave. Allez, on s'installe. Et pareil, 3 minutes de relaxation. Voilà, on prend le temps de s'étirer, de remuer le bout des doigts. On prend tout son temps pour ouvrir les yeux. On va venir s'asseoir. Et en clôture, je vous propose de chanter le Om 3 fois. Donc on prend une posture confortable, stable. Inspire. Om.
Merci de votre attention, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un peu commercial, mais voilà. Aïe, ça y est, je me suis cogné. On va mettre un casque.